Sarah Giraudeau, sa fille, Gaël, son fils, leur maman, Annie Dupéré, et puis sur scène, les mêmes, rejoints par François et Elisabeth, le frère et la sœur de Bernard Giraudeau. La famille au grand complet et l'ami Jean-Louis Foulquier qui inaugure à sa façon la soirée hommage en se souvenant des petites chemisières de la Palice. Et je vais vous faire une confidence ce soir. Le samedi soir, c'est lui qui les a emmenés danser. Et le dimanche, c'est moi qui les consolais. Au menu, l'été glacé, un film réalisé par Bernard Giraudeau et aussi sa vie dans un documentaire que découvrait Sarah pour la première fois. J'avais gardé la surprise et j'en étais très 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 heureuse et émue parce que ça montrait vraiment le Bernard et le papa. Ça allait vraiment sur l'humain plus que sur le métier et sur le paraître et tout ça. Et c'est vrai que c'était très beau. Qu'on soit là tous ensemble avec les enfants et les grands amis, je trouve ça formidable. Je ne savais pas, mais vous avez joué sur cette scène avec Bernard. Oui, oui, on a joué ensemble là, sur cette scène. Oui. Tout ça est très émouvant, oui, bien sûr. Beaucoup d'émotions aussi dans la grande salle de la Coursive bondée hier soir. La dernière scène du Richard III Giraudeau. Une scène où il était comme à la maison. Bernard est venu très régulièrement donner ses spectacles, que ce soit avec Annie Dupéré, le plaisir de rompre, le pain de ménage, le libertin, Beckett ou l'amour de Dieu. Et pour moi, c'était simple. Quand il avait envie de venir jouer, il venait ici. Une soirée hommage au profit du fonds Bernard Giraudeau pour les malades du cancer créé après sa mort, mais inspiré de sa volonté. Aider les malades du cancer et leurs familles d'un point de vue matériel, parce qu'il y avait quand même pas mal d'injustices et d'inégalités devant la maladie. Donc on a dit on va essayer de faire ça et voilà, c'est comme ça que c'est né. C'est né un an après, en juin 2011. 17 juillet 2010, bientôt 3 ans que le plus célèbre des Rochelais a quitté sa ville et son public.